cherche Elijah ? Comment tu sais ? Oh, écoute, il était en boucle sur toi pendant toutes les répètes. Si tu venais un peu plus souvent au point G, j'aurais pu t'en parler. Parler de quoi ? Vas-y. C'est par là que ça se passe. Don't know my name, oh no. I don't know my mind, but I know my game, oh yeah. And T'es une... Enfin, t'es quoi ? Je suis un mec trans. Mais t'étais une fille avant. J'ai toujours été un mec. C'est juste qu'avant, les gens me voyaient comme une fille. Attends, mais... Et maintenant, t'as... T'as insisté pour qu'on se voie vite. Déjà, j'aimais vraiment bien cette facette. Viens, attends. Ce qui me plaît, je le donne. Je le reprends sans maudit. Si j'aime un vrai que passe, un blond tendre d'aveu, le bras me fait et me lasse. C'est dommage quand même. Ça fait des mois que t'as fait ton coming out et t'as toujours pas avancé dans ta tête. Tu crois toujours qu'il y a des vrais mecs et des faux. Tu te laisses diriger par des règles à la con, Hicham. C'est comme ça qu'on crée une société de moutons qui élimine tous ceux qui dépassent. Et toi, tu préfères rester le petit con qui savait plus où se foutre parce que Claude portait une robe. Un jour, peut-être que tu comprendras que si t'as pu sortir de chez toi et venir ici sans te faire casser la gueule, c'est grâce aux trans et aux folles qui se sont révoltés à Stonewall et ailleurs. À ce moment-là, peut-être que tu sauras saluer leur courage et juste leur dire merci. Merci. Excusez-moi, vous avez une réservation ? Non. Alors je suis désolé, les tables sont réservées aux membres qui ont payé pour l'association. Mais c'est lui aussi, pourquoi il m'a rien dit ? Tu fais ton coming out à tous ceux que tu croises, toi ? Quoi ? Quand j'étais à Saint-Étienne, il y a des mecs que j'évitais parce que je savais qu'ils étaient pas safe. Et là, j'ai fait exactement la même chose avec Elijah. Eh ben, va lui dire ça. Écoute, t'es pas méchant. Elijah a connu plus transphobe que toi, non ? En plus, en vrai, il a essayé de me prévenir.
C'est marrant, hein. On ne parlait jamais vraiment de lui et c'est ce côté mystérieux qui me plaisait. Hicham, moi, Elijah, même Thibaut, t'as pas l'impression qu'il y a un schéma qui se répète là ? Encore à broyer du noir. Tu mériterais plutôt que je te donne un coup avec. Je crois pas qu'on puisse faire entrer quoi que ce soit dans ta sale caboche. Je plaisante pas, tu le sais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse si tu nous dis rien ? Y a rien à faire et tu le sais. Qu'est-ce que t'en sais si t'essayes pas ? Bah, j'ai essayé, je suis allé voir mon ex. Il y avait son nouveau mec qui était là. J'ai chialé un coup et je suis parti. On m'a parlé de rien. Quand même, je pensais que ça. Je sais pas, que ça me soulagerait d'un truc, même pas. C'était peut-être pas la bonne personne. Hicham. C'est le frère que t'as jamais eu. Quoi ? T'as un frère. Ben c'est bien la preuve, tu vois. T'as débarqué au point G un beau jour, au bout d'un mois, tu faisais partie des murs, mais personne ne sait rien sur toi. Moi non plus, d'ailleurs. Je t'ai jamais beaucoup parlé de moi. Hein. Le garçon, il s'appelait Nils. Son fils, on l'a élevé ensemble. Pendant plus d'un an. Je savais changer les couches comme personne. La mère du bébé m'en voulait d'avoir rendu son mec pédé. Si j'étais pour quelque chose. Elle est partie. Elle n'a plus jamais donné de nouvelles. Même quand Nils s'est tombé malade. C'est arrivé d'un coup. À l'époque, ça rigolait pas. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais séropo, moi aussi. Il est parti en quelques semaines. D'une une famille bourge. J'ai même pas pu aller à l'enterrement. Il n'y a pas plus cruel que ça. Comment tu peux faire ton deuil ? Tout était à son nom. Ils ont changé la serrure de l'appartement. J'ai rien pu récupérer. Tout ce qui me reste. Joli coup. Oh. 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 Ah, Hicham ! Pas maintenant. Je vais pas le laisser vous parler comme ça, hein. Laissez, c'est rien. Ah, quand même. C'est mon frère. Il est pas très sympa, votre frère. Il a dû se passer un truc. Claude, je peux aller dans les coulisses. Tu cherches encore Elijah ? Mais c'est trop tard, il a pris ses affaires, il est parti. Au sein même d'une seule LGBT, il y a de la transphobie. Bon, écoute, tu t'en veux pour tout à l'heure. Mais non, mais c'est pas moi la question, là. Cham, il y a une heure, tu savais rien du sujet, et là, tu me donnes des leçons sans me laisser en placer une.
T'as quelque chose de concret à proposer? Les droits des personnes trans. C'est ça votre mot d'ordre? Écoute, c'est pas le sujet le plus facile à défendre avec les autres. Attends, parce que c'est un peu dur là, on laisse tomber direct. Tu veux revenir au CA? Et porter ce combat avec nous au point G? On va se battre avec toi.